Un vendredi décevant pour Sergio Pérez, nous avons du mal à trouver l'équilibre. Lui, il est vraiment mauvais, hein, quand même. L'autre, il lui met encore une seconde de tour, là, putain. Pérez, réveille-toi, quoi. Nous avons eu un peu de mal avec l'équilibre de notre côté du garage. Cependant, Pérez n'est pas inquiet pour le week-end, je pense que nous comprenons assez bien dans quelle direction aller. En tout cas, ça semble bien meilleur que le week-end dernier. Ce qui est positif, j'ai hâte d'être au qualif demain. Les aérations sur ce circuit semblent assez élevées. Surtout avec les températures élevées qui nous attendent. A-t-il déclaré. Donc, oui, alors il pleuvra pas. Hein. Samedi, dimanche, grand beau temps à Suzuka, pas de pluie comme l'année dernière ou d'autres années où il y avait des typhons et tout. Donc, bon, là, vous pouvez être assuré, il n'y aura pas de problème de red flag à cause de la pluie, par exemple, ou autre. Bon, écoutez, Pérez, c'est l'interrogation. Hein, est-ce que c'est vraiment la même voiture que Verstappen? On peut se poser la question en vrai. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un problème du côté du pilote aussi? Je crois que c'est un peu un tout hein, quand même. Il n'arrive pas à s'en sortir avec cette voiture qui lui correspond pas, mais en même temps, j'ai l'impression que bah, il a de plus en plus de mal à s'adapter aux voitures qu'on lui donne aussi, avec l'âge qui passe. C'est mon avis, je vous laisse commenter.